j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve avec une nouvelle vidéo. C'est l'été, il fait beau, il fait chaud. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer comment réaliser le patron pour un short. Car en été, c'est la pièce à avoir absolument dans son dressing. Et si vous pouvez le réaliser vous-même, c'est tant mieux. Si vous avez déjà réalisé le patron du pantalon, faire le patron du short, ce n'est vraiment pas compliqué. Pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo, je vous mets le lien en haut à droite de l'écran. Et dans la barre d'infos, je vous raconte un peu l'histoire du short. On est de plus en plus nombreux sur la chaîne, merci beaucoup. Pour les nouveaux abonnés, je m'appelle Najima, je suis originaire de Mayotte. Et je suis une très très grande passionnée de couture. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me laisser en commentaire, liker et partager la vidéo. On sait jamais, ça peut toujours aider quelqu'un. Et si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à le faire. Ça fait toujours plaisir. Prenez le patron du pantalon, recopiez-le sur une autre feuille. Pas besoin de reproduire toute la longueur. À partir de là, reportez les lignes bassin et aussi la ligne du menton. Ajoutez la ligne des petites hanches qui fait 10 cm en partant de la taille. C'est une taille standard. Vous pouvez vous mesurer pour avoir la longueur exacte. Ici, pour avoir une taille basse, vous commencez par tracer le short à partir de la ligne des petites hanches, car de toute façon, vous allez mettre une ceinture. Pour une taille haute, vous commencez le short par la ligne taille. Pour la longueur du short, j'ai pris 40 cm. Au niveau de l'entrejambe, tracez une ligne droite. Inclinez légèrement la ligne de côté en partant du bassin. Elle ne doit pas dépasser 4 cm. Ensuite, vous pouvez vous arrêter là, mais moi je voulais un short avec de l'ampleur et pour cela, vous devez diviser la ligne taille par 3 et tracer 3 lignes. Découpez le patron en suivant les lignes que vous avez tracées. Posez le patron sur une feuille, fixez-le avec du scotch. Écartez les segments de manière égale pour avoir le même espace à chaque fois. Faites la même chose avec le patron du short dos. Soit vous mettez une ceinture ou vous faites une parementure, dans les deux cas la technique est la même. Mesurez la ligne taille du short devant et celle du dos, tracez une ligne qui correspond aux deux mesures. Ensuite, prenez 5 cm pour la largeur, fermez le rectangle. Voilà, la parementure est prête et il faut la couper une fois au pli. N'oubliez pas de nommer vos patrons, chaque côté du short est à couper deux fois. J'avais oublié de placer les pinces pour le short, mais je vous conseille de le faire si vous n'avez pas envie de mettre des pinces. C'est pas une obligation. Et voilà, le patron du short est prêt.